Regarde ces anneaux, Shani. Et si on faisait un super voyage? Polly? Après tout, on n'a qu'à tester la gravité directement. Polly! Hein? Une seconde, où est passée Lila? Oh non, je l'ai. Tu t'es un peu emballée, je crois. Oui, retournons la chercher. Super voyage retour! Je te présente mes excuses, Lila. Cette fois-ci, ensemble. Super voyage! Bien, tout le monde est là. Alors, en avant toutes! Attends, on a un autre petit souci à régler. Les skates. Oh non, je n'avais pas du tout pensé à ça. Je suis désolée. Attendez, j'ai vu des skates au royaume de la licorne. On peut peut-être les emprunter? Oui! Oui! On y est! Les skates étaient près de la balançoire à bascule. Je suis désolée, les filles, les skates ne sont plus là. Ne t'inquiète pas, on pourra toujours en faire une autre fois. Bonjour, les filles. Qu'est-ce que vous faites là? On était venus faire un peu de skate, mais on a oublié de les prendre avec nous. Eh bien, j'espérais vous croiser aujourd'hui, vu que j'ai apporté ces rollers rien que pour vous. Merci infiniment, Princesse Rain. On est prêtes? On peut réaliser ton rêve, Polly? C'est parti! Parfois, on est tellement impatient de faire quelque chose qu'on en oublie l'essentiel. Mais heureusement, je peux compter sur mes amis pour m'apporter de l'aide. Et dans ce cas précis, me prêter des rollers. Allez, il est temps que je profite de cette session de rollers dans l'espace. On se revoit bientôt. Au revoir. Le bruit vient de ce côté-là. Suis-moi. C'est peut-être enfin notre chance de retrouver Praline. Les hot dogs, c'est bien ce que Praline préfère, non? Oui, c'est vrai. Allons jeter un œil à l'intérieur. Lila, salut! Qu'est-ce que tu faisais sous la table? Coucou les filles, je cherche ma bague. Celle en argent que vous m'aviez offerte pour mon anniversaire. C'est ma préférée. On dirait que tout a tendance à disparaître aujourd'hui. On est à la recherche de Praline. Elle s'est enfuie de la maison. Oh non! Je suis désolée, Polly. Aucun signe d'elle? Eh bien, c'est pareil pour ma bague. Elle a dû glisser pendant que je faisais du shopping au centre commercial tout à l'heure. Je pense que je vais y retourner pour la chercher. Hé, vous savez quoi? Praline se trouve peut-être là-bas. On n'est pas allé voir au centre commercial. Alors allons chercher Praline et ma bague ensemble. Je suis sûre qu'on aura plus de chance en étant trois. Votre attention, s'il vous plaît. Le centre commercial fermera dans une heure. Il faut qu'on se dépêche. Lila, on va chercher ta bague en premier. Où es-tu allée faire ton shopping? Au troisième étage. Alors allons-y. Ça va nous prendre trop de temps de chercher partout. Tu te souviens où tu es allée? Je crois bien. Bon, alors refaisons ton trajet. Je me rappelle avoir passé du temps à regarder ces sacs. Peut-être que j'aurais besoin d'un changement de perspective. Super petit! T'as trouvé quelque chose? Non. Allons chercher dans d'autres rayons. Je me rappelle avoir essayé des chaussures.
s'il vous plaît. Le centre commercial fermera dans 30 minutes. Oh non, je ne retrouverai jamais ma bague. Elle allait pourtant tellement bien avec le haut que je viens d'acheter. Lila, est-ce que par hasard tu as essayé ce haut avant de l'acheter? Mais oui. Je l'ai trouvé. Oui. Ça ne vous embête pas si on passe à l'animalerie avant de partir? Polly, qu'est-ce qu'il y a? Et les filles, je crois que j'ai trouvé le collier de praline. Ressemble au collier de praline. Je crois qu'on ne va pas tarder à la retrouver. Super petite! Tu as besoin d'aide avec le collier? Avant que le centre commercial ne ferme, Polly. Ils ont peut-être vu Praline. Elle n'est pas là. Praline? Est-ce que tu es ici? Votre attention, s'il vous plaît. Le centre commercial fermera dans 15 minutes. Veuillez vous diriger vers les sorties. Il faut qu'on y aille, Polly. Il doit y avoir d'autres endroits où on n'a pas cherché. Non, on a déjà vérifié tous les lieux de Little Town où elle adore se rendre et il commence à se faire tard. Tu veux qu'on retourne à ta maison? Peut-être qu'elle est rentrée. Et même si elle n'y est pas, on peut retracer ton chemin depuis le début comme on a fait pour ma bague. J'ai vraiment peur que quelque chose de grave lui soit arrivé. Hé, ne baisse pas les bras. Peut-être que quelqu'un l'a trouvé. Je sais, on n'a qu'à imprimer des affiches ce soir et on les collera en ville demain. Oui, c'est une excellente idée, ça. Les amis, vous êtes géniales. Merci beaucoup. Une seconde. Quoi? Vous avez entendu ça? Je suis sûre d'avoir entendu aboyer. Je crois que tu as besoin de repos, non? J'arrive tout de suite. C'était bel et bien un aboiement. Je l'ai entendu cette fois. En train de m'aider à mettre Paxton au lit pour sa sieste. On a essayé plein de méthodes différentes. J'ai dû la rétrécir à ce moment-là par accident. Polly, c'est toi? Vite, redonne-lui sa taille avant que ton père vous voie. Super grande! Le dîner est bientôt prêt. Praline.
Viens, Polly. Parce que j'en connais une qui est prête à manger ta part. Ah oui? Je me demande qui ça peut être. Tu sais, les chats, eux, ont vraiment tout compris. Oui, je suis d'accord. Je te propose que désormais, les samedis soient le jour du chat. Oui, ça me plaît beaucoup. Oh, une émission sur les chats. J'en ronronne de bonheur. Et maintenant, je vais passer en mode détente et tricoter un peu. Je travaille d'après mon propre patron géométrique. Les chats arrivent toujours à retomber sur leurs pattes. Contrairement aux humains. Les filles, j'ai trouvé quelque chose, venez voir. Waouh. Est-ce qu'on la suit? Voyons que ferait un petit chat. Une route toute rose et brillante. Bien sûr qu'on va la suivre. Ah oui, génial. Waouh. Nous n'avons aucune idée où nous sommes ni où nous allons. Je sais, c'est tellement passionnant. Je crois que c'est notre aventure la plus formidable. Mais c'est peut-être aussi notre aventure la plus collante. Polly, je savais qu'une musique magique ferait l'affaire. Vous arrivez juste à temps pour le thé. Oh, merci. Votre invitation nous touche beaucoup, monsieur Pain d'épices. C'est votre maison. Oui, c'est là que je me sens chez moi. Mais entrez, je vous en prie, faites comme chez vous. Ma machine à bonbons est la vôtre. Je reviens. Oh, une balançoire. Et des chaises tasses de thé. Et elles tournent. Ce qu'elles vont vite. J'ai un peu le vertige. Le thé est servi. Waouh. Ça a l'air délicieux. Qui veut du gâteau? Oh, quelqu'un a déjà goûté le glaçage? Mais quand a-t-il... Je vous l'avais dit, les chats, eux, ont vraiment tout compris. Waouh, quelle meilleure façon de terminer une semaine agitée qu'un tour au parc d'attractions arc-en-ciel. Tu avais raison, Shani. Tu vois bien, le meilleur moyen de se détendre, c'est de tout oublier en s'amusant. Et hop, je passe sous la... Qu'est-ce que c'est? Un bateau? Waouh! Shani, attention! Il y a... Waouh! Ce manège est fantastique! Les filles, regardez ce que j'ai gagné! J'ai toujours eu envie de nager avec les dauphins! Youhou! Les filles, je crois que ce bateau est venu ici pour nous. Mais où va-t-il à votre avis? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir! Je vais vous suivre par la voie des airs, les filles. Wow. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, vous êtes venues. Soyez les bienvenues au lagon des sirènes. Je suis la reine Delphina. J'ai envoyé mon bateau vous chercher car nous avons besoin d'aide dans notre paradis. Wow. Delphina. Eh bien, notre dauphin en pierre précieuse a disparu. Sans ses pouvoirs, le lagon des sirènes perdra sa magie et toutes les créatures marines seront en danger. On a besoin de vous pour le retrouver. Regardez, la magie est déjà en train de disparaître. En avant, les filles, trouvons ce dauphin en pierre précieuse. Rien sous ce petit château. Oh,
n'est pas de dauphin dans le phare non plus. Qu'allons-nous faire? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Les filles, je crois qu'elle nous dit qu'il faut aller sous l'eau. Doit être dedans. On l'a trouvé. Bien joué, les filles. Au travail. Il faut l'ouvrir avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez réussi. Merci d'avoir rendu sa magie à notre merveilleux paradis. Montagnes russes arc-en-ciel au mystère de la magie des sirènes, cette journée a été géniale. Tu peux aller me chercher des autres fleurs, s'il te plaît, Polly. Pas de problème, regarde. Impressionnant. J'ai trop hâte de voir le feu d'artifice et de dîner. Et en particulier le célèbre gâteau aux carottes de maman. Oh non, les carottes. Oh, je savais que j'avais oublié quelque chose. Pas de souci, maman. Shani, Lila, nous avons une urgence carotte. On peut se retrouver au coffret des lapins. J'y serai en devant. On arrive tout de suite. Merci, les filles. Je savais que je pouvais compter sur elles. Je reviens tout de suite avec l'ingrédient manquant. Vous êtes là. Évidemment. Que ne ferait-on pas pour le gâteau aux carottes de ta maman? Il faut se dépêcher pour ne pas rater le feu d'artifice. Allons-y. Tu arroses. Et je déterre. Elles ne sont pas prêtes à être récoltées. Oh, mais on ne peut pas faire un gâteau aux carottes sans carottes. Ah ah, en voilà. Où est la carotte? Suivons ce lapin. T'apportera une part de gâteau aux carottes. Oui, promesse de Polly Pocket. Et maintenant, filons. Mais où avez-vous bien pu dénicher ces délicieuses carottes? Disons que nous les avons attrapées en courant comme des lièvres. On va faire de la luge, du ski, patiner et boire du chocolat chaud. Waouh, je vais bien. Oh, Polly, tu te souviens de ce dont on a parlé? Marche comme un pingouin pour tester la neige. De petits pas avec les pieds orientés vers l'extérieur. Tu vois, comme ceci. Bonita,
Ça ne va pas? Les filles sont coincées dans la neige? Maman, c'est Lila et Shani, il faut les aider! Oh non! Vite, équipons-nous et partons! D'accord! Oh non, 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 attends! Tu n'oublies pas quelque chose? Oh, bien sûr! On est encore loin, Bonita? Oh. Attends un instant. On a signalé un risque d'avalanche par ici à cause des chutes de neige. Et si on mettait ça? Parfait. Mais ne va pas trop vite et arrête-toi tout de suite si le sol semble sonner creux. Shani! Lila! Vous êtes là? Oui, on est là. Il y a eu une avalanche. On est coincé de l'autre côté de cet énorme mur de neige. Compris. Tenez bon, les filles. Nous arrivons. Je m'en occupe, maman. Me voilà. Écartez-vous le plus possible. Ah, c'est bon. Tu peux y aller. Merci, Polly. Je n'y serais jamais arrivée sans maman qui sait tout sur la neige. Oh, toi. Merci, chérie. Et remerciez aussi Bonita, elle nous a trouvés juste à temps. Et maintenant, les filles, rentrons vite au chalet. Du chocolat chaud? Yam! Oh, oui. Vous l'avez bien mérité. Et qu'avez-vous appris aujourd'hui? Il faut toujours vérifier la météo. Ne jamais voyager sans une amie. Ou deux. Toujours emporter des vêtements chauds. Oui, et toujours mettre quelques guimauves dans le chocolat chaud. Prêt pour la fête de Noël, la plus géniale du siècle. Tu veux dire un poli Noël? Oui! Je suis tellement impatiente. Cette fois, on sent vraiment que Noël approche. Shani, comment ça se passe là-haut? J'ai presque terminé. Génial! Alors, où est le reste des décorations? Je crois que j'ai oublié une boîte de décoration. J'étais tellement heureuse à l'idée de venir ici que j'ai dû oublier de vérifier que j'avais tout pris. Mais ce n'est pas grave, nous en avons assez. Pas vrai? On dirait un parc d'attractions sans décoration. Non, attendez, inutile de soupirer. Nous allons plutôt bricoler. Oui, utilisons ce que nous avons au royaume arc-en-ciel en ajoutant un petit air de fête. Moi, ça me plaît. Je déclare ouvert le premier festival de décoration de Noël fête maison du royaume arc-en-ciel. Ou autrement dit, comment décorer quand on a oublié les décorations. Oui, ça marche aussi. Bien, que serait Noël sans de jolies étoiles? Tu es pleine de ressources, Lila. Maintenant, il nous faut un bonhomme de neige. Mais la neige ne tient pas ici. Voyons, d'où vient vraiment la neige au départ? Oh, elle vient des nuages, ce sont des gouttelettes gelées. Oh, comme ceci? Wow, il est magnifique. J'adore la façon dont les rayons de soleil font briller la neige et donnent des reflets arc-en-ciel au bonhomme. Oui, il est vraiment parfait. Si seulement nous pouvions avoir quelques flocons de neige étincelants pour décorer. Peut-être qu'avec un peu de magie glacée. Waouh! Parfait! Nous allons les ajouter au manège. Oh! Et si on ajoutait quelques gouttes d'eau sur le sapin? Est-ce que la lumière se reflèterait dessus? Ça ressemblerait peut-être à des guirlandes? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Waouh! Maintenant, le royaume arc-en-ciel a vraiment un air de fête. Grâce
grâce à notre travail d'équipe. Et grâce à l'aide d'une championne des sciences. Quand la science rencontre la magie, oh là là, c'est la perfection. Encore dans le passé. Où est-ce que le passé est le présent? Mince, ce n'est pas facile de voyager dans le temps. Ah oui, ça tu peux le dire. Et coupé. Bon travail les filles. J'ai bien cru que je ne retrouverais pas mes marques après avoir autant tourné. Tu as été parfaite. Oui Margot, tu es formidable. Tous les stages de théâtre que tu as fait finissent par porter leurs fruits. Oui, c'est vrai que j'adore les arts de la scène. C'est un signal de la princesse Rain. Elle a besoin de notre aide. Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps de t'expliquer. Allons-y. Waouh! Wow. Mais où sommes-nous? Au parc d'attractions Arc-en-Ciel. C'est un endroit absolument extraordinaire. Il serait vraiment parfait pour un film de fiction. Les filles, merci d'être venues. Nous avons fait aussi vite que possible. C'est une urgence licorne de Côte Dorée. C'est quoi une urgence licorne de Côte Dorée? Ma licorne dorée a disparu. Ah, c'est littéralement une urgence licorne de Côte Dorée. Ça, c'est une mission pour Sherlock Pocket Holmes et ses fidèles assistants. Première étape, trouver des indices. Dis-moi, quand est-ce que tu as vu ta licorne pour la dernière fois? C'était tôt ce matin. Nous étions en train de manger une crème glacée royale quand une surprise est arrivée. Oh, wow, Goldie va adorer ça. Et quand j'ai voulu la montrer à Goldie, elle avait disparu. Et elle n'a laissé derrière elle ni trace, ni indice. Non, rien. Elle s'est évanouie dans les airs. Peut-être qu'elle avait encore faim. Ah, jusqu'ici, tout ce que j'ai trouvé, c'est un vieux bonbon. C'est toujours plus que ce que j'ai trouvé. Bonjour, jolie licorne. Incroyable. Où as-tu trouvé la couronne de Goldie? Cette couronne doit être très lourde. Laisse-moi la porter à ta place. Oh, parfait. Mais elle te va bien mieux qu'à moi. La clé d'or. Goldie, mais qu'est-ce que tu faisais là? Je t'ai cherché partout, je voulais te donner ceci. Mystère résolu. En fait, Goldie t'avait entendu dire que tu avais une surprise. Et elle a voulu t'en faire une aussi en allant chercher des ballons. Mais elle s'est un peu laissée entraîner. Affaire classée. J'appelle ça le plongeon du cygne. Superbe plongeon, Polly. Oh, wow. Mais n'oublie pas, il est temps de se préparer pour l'anniversaire de Mamie Pocket. Oh non! Les filles, j'ai besoin d'aide. Je n'ai pas encore trouvé ce que j'allais offrir à Mamie Pocket pour son anniversaire et c'est maintenant son anniversaire. Ne t'inquiète pas, Polly. Nous allons trouver le cadeau idéal. Excellente idée, Chami. Nous partons vers l'arc-en-ciel. On rajoute encore des ballons? Oh, bah, elles doivent se préparer. En fait, je crois que ce serait bien d'en avoir plus. Waouh! Cet endroit est aussi magique que Mamie Pocket elle-même. Ici, on trouvera forcément le cadeau idéal pour elle. Vous croyez qu'elle aimerait un trône royal? Oh, non, impossible de l'emmener. Waouh! Oh, bonjour, mon tout beau. Les filles? Oups! Tiens bon, Shani! Les filles, vous croyez que j'en fais trop pour la fête? Tu es magnifique! Mais nous n'avons toujours pas trouvé le cadeau idéal pour ma grand-mère. Et nous n'avons plus beaucoup de temps. De temps?
Le temps! Les filles, allons vite au village anniversaire! Là-bas, on trouve tout ce qu'il faut de A à Z! Excellente idée, Lila! Là-bas, on trouvera quelque chose, c'est sûr! La mission anniversaire commence! Séparons-nous! Oui! Vous croyez qu'elle aimerait des bonbons surprises? Et pourquoi pas un micro-karaoké? Ouh! Un gentil petit vélo! Waouh! Oui, elle adorerait tout ça! Oh! Je n'arrive pas à me décider! Oh. Alors, finalement, j'ai tout pris. Je ne pouvais tout simplement pas te trouver le cadeau idéal, Mamie Pocket. Oh, ma chérie, ce ne sont pas les cadeaux qui rendent ma fête d'anniversaire unique. C'est ta présence et celle de tes amis pour fêter cette journée avec moi. Ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Oh, merci, Mamie. Et nous t'avons réservé encore une petite surprise. Oh, et bien ça alors. C'est vraiment un anniversaire parfait. Joyeux anniversaire, Mamie Pocket. J'aime tellement venir ici et prendre soin de ces bébés animaux. Tu as faim, ma grande? Oh, elle est si mignonne. J'ai une idée formidable. Nous allons les prendre en photo pour ne jamais les oublier. Tu es d'accord? Oui, c'est génial, Polly. Je prépare l'appareil photo. On va bien s'amuser. Bella, où est Monsieur Gecko? Je ne sais pas trop. Peut-être chez le vétérinaire. Je crois que notre appareil photo l'intimide un peu. Allons, Monsieur Gecko, il est temps de te placer pour la photo. Dites biscuit pour animaux. Tellement fin que j'ai l'impression d'entendre un marchand de glace qui arrive. Non, je l'entends, moi aussi. Allez, viens vite, on a bien mérité une glace. Ah, bonjour Lila, est-ce que tu vends des glaces? Ce ne sont pas de simples glaces, mais plutôt de nouvelles aventures glacées. Regardez. Trop bien amusé. Et maintenant, j'ai encore plus faim qu'avant. Cette fois, je crois que nous avons vraiment mérité un bon dessert. Venez par ici, chers amis qui aimaient tant les glaces. Miam! Tu avais raison, Lila. Tes glaces sont une véritable aventure. C'est vraiment trop bon. Qui veut encore s'amuser dans la glace géante? Moi! Avec plaisir, Polly. Vous aider me fait bondir de bonheur. Où allons-nous aller à présent? Wow. Je crois que nous irons où le vent nous mènera.
la princesse Reine a le plaisir de nous inviter au bal royal de l'arc-en-ciel. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? J'espère que vous aimerez votre tenue royale. Quoi? Mais quelle tenue? C'est un mystère de styliste. Séparons-nous et cherchons. Rien ici. Non, il n'y a rien ici. Une chambre secrète? Mais pas la moindre tenue. Ceci pourrait peut-être me servir de couronne. Qu'en dites-vous? Trop avant-garde? Tu as trouvé, Shani? Non. Et nous avons cherché partout. Non, pas partout! Maintenant, vous êtes de vraies princesses arc-en-ciel. La princesse Reine. C'est le plus beau jour de ma vie. Et il ne fait que commencer. Que je sois sûre de comprendre, tu es invitée à participer à ce qui est sans doute la plus importante de toutes les courses de licorne et tu décides de porter des ailes de fée? Tu ne crois pas qu'elles vont te ralentir? Peut-être, mais avec elles, je me sens magique. Et puis c'est amusant. Moi, ce qui m'amuse, c'est de gagner. C'est vrai que ça serait cool, mais j'espère réussir mon triple saut périlleux arrière en touchant mes orteils. Je me suis beaucoup entraînée et un bon entraînement est la clé de tout. Bienvenue à la 5e course de licorne du royaume arc-en-ciel. Oui! Tout le monde est prêt? Absolument. Bonne chance, vous deux. Je n'ai pas besoin de chance. J'ai confiance, ça suffit. À vos marques, prêt, parti! Allez, fonce, ma belle. On va franchir la ligne d'arrivée et je serai la reine de la course. Tu es vraiment sûre d'être la reine? C'est bien, continuez! Un champ de nuages? Tu voles comme un oiseau. Tu crois que tu pourrais m'apprendre à le faire? J'aimerais beaucoup m'entraîner avec toi parce que... Un bon entraînement est la clé de tout. Avec grand plaisir. Moi aussi, s'il te plaît. Mais d'abord, deux gagnantes signifient une fête deux fois plus grande.
Nicolas. Ce n'est vraiment pas cool. Si vous aviez vu vos têtes, les filles, vous auriez aussi trouvé ça cool. C'était trop drôle. À plus tard dans l'eau. Polly, comment tu te sens? Bien. Heureusement que ce n'était pas un vrai requin. Tu peux le dire. Et je ne sais pas vous, mais moi j'adore les blagues, mais celle-ci n'avait rien de drôle. Ah, tu as raison, Chani. Si Nicolas trouve ça amusant, je crois que notre ami a grand besoin d'une bonne leçon. Oui, on va lui montrer que certaines blagues ne sont pas drôles. Oh, je crois que j'ai une idée. Suivons cet otari. Salut Lila. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je cherche simplement des perles. J'en ai une. Oh, génial. Oh, regarde. Oui, nous en avons deux. Encore une perle. Je vais la trouver. Les filles, il y a deux perles ici. Deux perles pour le prix d'une. Merci, Nicolas. Oh. Il est rentré dans la coquille. Oui. Ah, d'accord, j'ai compris. Ah oui, tu as compris que nous allions jouer aux trois perles. C'est un jeu très amusant. Ah. Wouhou. Oui, Nicolas, nous allons jouer toutes les trois et c'est grâce à toi. Oui. Je veux dire, j'ai compris que vous n'avez pas aimé ma blague du requin. On a réussi. Je voulais juste faire une blague. Oui, on le sait, mais pour nous, ce n'était pas drôle. Tu sais, nous préférons les blagues qui sont amusantes pour tout le monde. Je suis désolée de vous avoir fait peur. Ah, bon, excuse acceptée. Et maintenant, qui a envie de manger une glace? Attendez, c'est encore une blague? Oh. Oui, mais une bonne blague. Alors, Lila, prête à battre le record du plus grand nombre de tours de manège arc-en-ciel en un jour? Seulement si vous êtes prête à m'encourager! Tu vas y arriver, Lila! Oui! À vos marques, prêts, partez! Oui! Les filles, c'est une clé en or! J'espère que Goldie n'est pas encore coincée. J'adore les invitations de la princesse Maïd. Je me demande de quoi il s'agit. Vous êtes toutes invitées au grand bal masqué en l'honneur de nos animaux favoris. Choisissez un animal et inspirez-vous de lui pour créer votre déguisement. Youhou! Un animal qui nous inspire? Je sais ce que je vais choisir. Moi aussi. Et moi donc, on se retrouve ici pour la fête? J'ai hâte de voir quel animal vous aurez choisi. Allons-y. Salut l'hippopotame. Tu es sans doute l'un des seuls mammifères qui aime l'eau autant que moi. Veux-tu être ma muse inspiratrice pour le bal masqué? Oh, attends, mais où tu vas? Coucou les lapins. Oh, bien, j'ai pensé, comme les lapins sont des créatures sociales, que j'en suis une également et que je dois choisir un déguisement pour le bal masqué. Attends, non. S'il te plaît, inspire-moi. Waouh, tu fais la sieste? Quel bien-être! J'admire la façon dont les chats savent profiter de la vie. Je ne vais faire aucun bruit pour ne pas te réveiller et... Oh non! Mais vous saviez que les hippos peuvent retenir leur respiration pendant 5 minutes ou plus? Je ne voulais pas être en retard. J'ai cherché partout un petit lapin et quand enfin j'en ai trouvé un, je me suis approchée de lui tout doucement et il a sauté au-dessus de moi! Genre par-dessus ma tête! Je savais que les lapins étaient doués pour sauter, mais j'ignorais qu'ils pouvaient faire des bonds d'un mètre! Je voulais juste observer attentivement ce petit chat, mais il a sauté hors de son panier et il est sorti de la maison! Il a atterri sur ses pattes, comme tous les chats dignes de ce nom, et il s'est enfui à toute vitesse. Il ne nous reste plus qu'à expliquer à la princesse Reine que nous n'avons pas de costume. Oh, les filles, ne dites pas de bêtises!
utilisez ceci. Ça ne compte pas, ou si ça compte? Mais bien sûr, voyons. Qu'y a-t-il de plus inspirant que la magie? Je croyais qu'il fallait procéder d'une certaine façon, qu'il y avait des règles. Mais vous savez quelle est la seule et unique règle pour s'amuser? C'est qu'il n'y a pas de règles. Exactement! Et maintenant que la fête commence! Ah, attention, les licornes sont prêtes à danser! Oh, bonjour, monsieur le toucan! Nous avons donné tous les bains. Le bonhomme de pain d'épices nous a demandé d'être les porteuses de lumière pour la fête de ce soir. Oh, waouh, c'est un honneur. Attends, il y a une fête? Oui, c'est la fête de la saison. La saison des anniversaires. On allumera des bougies pour fêter la nouvelle saison des anniversaires. Oh, moi j'adore les anniversaires. C'est une journée unique où l'on peut montrer à ceux qu'on aime combien ils comptent pour nous. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend alors? En avant, les éclaireuses! Dansez trop chouette! Je fais la pirouette! Quelle joie de vous voir, les filles! J'allumais toutes ces bougies quand une ampoule s'est éteinte dans mon four! Alors je me suis dit, je vais appeler les filles pour m'aider! Tout le monde ne peut pas allumer ces bougies! Il faut avoir un grand cœur et de la magie dans les doigts! Oh, pour le grand cœur, je fais de mon mieux, mais... pour la magie... Oh, mes mains ne connaissent que la magie du karaté. Oui! Et c'est là que j'interviens. Et voilà, pendant toute la durée de la fête, vous serez magiques toutes les trois. Que mes mains ne sont bonnes qu'à faire des mouvements de karaté. Ne dis pas ça, petite Lila. Ta lumière est belle et droite. Tu dois juste apprendre à maîtriser les étincelles. Il reste encore des bougies sur la gauche. Ma lumière est droite. Il reste des bougies sur la gauche. Je crois que j'ai une idée. J'ai vraiment l'impression d'avoir une chance folle. Ah, moi aussi. Regardez toutes ces jolies lumières. Et à ce propos, Lila, finalement, qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ta magie? Je devais juste prendre les choses du bon côté et pour moi, c'était le côté gauche. Ça, c'est la vraie vie. Rien de tel qu'une belle journée ensoleillée. Ah. Je dis merci à la vie pour cette journée parfaite. J'adore toute cette énergie positive. Les filles, vous devriez emmener cet état d'esprit à la montagne de la gratitude. La montagne de la gratitude? La légende dit que ceux qui en font l'ascension ont droit à une récompense spectaculaire. Et quelle récompense? Ce sera à vous de me le dire. Je ne connais personne qui ait réussi l'ascension. Pourtant, beaucoup ont essayé. Ça tombe bien, on ne recule jamais devant un défi. Qu'en dites-vous, les filles? Oui! Allez, c'est parti! Wouhou! Et où est-elle? La légende affirme qu'elle se déplace. J'ai entendu dire que les fées papillons connaissaient sa dernière cachette. La reine Delphina nous a dit de parler aux fées papillons. C'est sûrement une fée papillon. Oh, la montagne de la gratitude est dans un endroit froid où la neige s'étend aussi loin que porte le regard. Je sais où elle est. Sûrement au pays des merveilles de l'hiver. Mais par où y va-t-on? Ah, la tyrolienne va nous y mener. C'est affreusement haut.
Courage, les filles, nous pouvons y arriver. Pas étonnant que personne n'ait jamais réussi à gravir cette montagne. Oh, c'est ridiculement difficile, mais je suis reconnaissante d'avoir pu essayer. Je suis reconnaissante d'avoir trouvé la montagne. Je suis reconnaissante pour le karaté. Je suis reconnaissante pour la science. Pour ma famille. Je suis reconnaissante pour mes amis. Je suis reconnaissante d'être enfin arrivée au sommet. Et moi, je suis reconnaissante de vous avoir eu à mes côtés pendant la montée. Je ne sais pas vous, les filles, mais moi, je me sens en pleine forme. Je crois que je suis reconnaissante pour la gratitude. Je me demande quelle récompense la montagne a pour nous. Waouh! C'est la lumière de l'étoile polaire. Elle est si chaude et si étincelante. Oh, merci, montagne de la gratitude. Faisons vite, il faut que tout soit absolument parfait pour la visite de la princesse Reine. Je vais vous donner un coup de main, ou deux. Ce bonhomme est tout simplement fabuleux. La voilà, la voilà. Bienvenue aux merveilles de l'hiver. Wow, c'est la première fois que je vois de la neige dans la vraie vie. Au royaume arc-en-ciel, il fait toujours 22 degrés. C'est joli, non? Les flocons. Oui, mais c'est aussi très froid. On savait que tu dirais ça. Donc, on t'a apporté quelques accessoires. Merci, c'est très beau. Wow, c'était fantastique. Si tu as trouvé ça amusant, tu devrais essayer le ski. C'est mon sport d'hiver préféré. J'adorerais. On en fait tout de suite. Oui, et nous serons juste derrière toi. Alors, souviens-toi, quand tu es dans une pente, garde tes skis bien droits et parallèles, comme deux frites. Et quand tu veux ralentir, tu ramènes les pointes l'une vers l'autre, comme une part de pizza. Compris. Des frites et de la pizza. Deux de mes plats préférés. Princesse Reine, tu as un don naturel. Merci, je n'arrêtais pas de penser à des frites et à de la pizza. C'était drôle. Et que penses-tu de notre bonhomme de neige? Nous l'avons fait ensemble, chacune de nous a ajouté un détail différent. Tu devrais le faire aussi. Volontiers, et je sais exactement ce qu'il lui faut. Qu'est-ce que c'est? Un peu de magie. Mais où va-t-il? Je n'en sais rien, mais on ne peut pas laisser un bonhomme de neige errer comme ça à l'aventure. Tu as raison, Shani. En plus, je parie que les bonhommes de neige magiques mènent à de magiques aventures de neige. Oui, suivons ce bonhomme de neige. Je sens de la magie hivernale dans ce sapin. Et comme vous avez partagé avec moi tous ces plaisirs d'hiver, à mon tour maintenant d'en partager avec vous. Oh, waouh! C'est exactement la couleur dont j'avais envie. Merci. Et pour finir en beauté, voici mon activité hivernale préférée, l'après-ski. L'après-ski? C'est une jolie façon de dire un chocolat chaud entre amis. Un après-ski entre amis. Quelle fin parfaite pour une journée inoubliable. Ce ne serait pas tout à fait Halloween. Regardez, c'est la piste de Cookie qui mène à la machine à bonbons.
c'est l'endroit idéal pour faire un bonbon ou une farce. On fait la course? Je ne suis pas sûre que ce soit le chemin qui mène à... Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois rien du tout. Je savais qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Un bonbon ou une farce? Félicitations! Vous avez été choisi pour participer à notre concours annuel de pâtisserie d'Halloween. D'accord. Mais on pensait qu'on allait recevoir des gâteaux, pas les faire nous-mêmes. Oh, bien joué, monsieur pain d'épices. Bien joué. Moi, j'adore les concours de pâtisserie. Enfin, j'adore les regarder. Je n'y ai jamais participé auparavant. Attendez, si c'est ça le bonbon, alors où est la farce? Il y a une petite difficulté. Les ingrédients et les ustensiles sont cachés le long du parcours d'obstacles. Ah, ça, c'est mon genre de pâtisserie. À vos marques, prête, cuisinez. Oh là là, j'espère que ça ne sera pas trop cuit. Voyons voir quels ingrédients nous avons ici. La crème n'épaissit pas. Oh. Reste calme et mélange encore. Reste calme et mélange encore. Plus que 10 secondes. C'est le moment de la touche finale. Oui. Waouh, nous nous sommes vraiment surpassés. Regardez-moi ces merveilles. Mais sont-ils aussi bons qu'ils sont beaux? Cannelle et moi, nous serons les juges. Cannelle? Hein? Où est-il? Je crois que ça veut dire que nous sommes à égalité. Joyeux Halloween à tout le monde.